Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et faciès de malade. Enfin, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je commence à retravailler, que j'ai des horaires assez spéciales. Donc là, je suis levée depuis 4h du matin. J'ai pas énormément dormi et du coup, ça se voit. Donc voilà, mais on va partir du principe que c'est pas très grave si j'ai une sale tête aujourd'hui, parce qu'on va faire le 5 minutes attends, comment ça s'appelle, le 5 minutes make-up challenge. Voilà, donc c'est une vidéo en collab avec Yasmine et on va toutes les deux faire ce challenge. Donc pour vous, si vous connaissez pas le principe, c'est en gros on a un minuteur de 5 minutes et il faut faire son maquillage de d'habitude en 5 minutes. Je pense déjà pouvoir dire que je vais pas réussir, ou alors me louper, enfin c'est impossible pour moi je pense de me maquiller en 5 minutes. J'ai mes produits de maquillage qui sont étalés autour de moi, d'ailleurs je vais galérer à les choper parce qu'ils sont un petit peu étalés partout. Et du coup bah, je vais mettre le minuteur de 5 minutes, je pense que vous voyez d'ici. Je vais m'attacher les cheveux sinon ça va juste pas être possible. Bon bah écoutez, on est parti. Donc alors je vais pas vous dire à chaque fois quel produit j'utilise et tout, parce que j'ai pas pris le miroir, je suis une quiche. Il n'y a plus de fond de teint dans mon truc, donc bien sûr je me galère. Putain, je prends mon partout. J'ai pas pris de miroir, c'est bien pensé ça Marine. Je crois qu'il y a une palette à côté, donc ça devrait le faire. J'ai pas pris de sopalin non plus, hein, voilà. Donc j'aurai pas le temps de vous dire à chaque fois les produits que je mets, donc je vous listerai en barre d'infos. De toute façon, vu le maquillage que je vais faire, c'est pas ultra nécessaire. Oh là là, ça commence mal tout ça. Non, ils sont mes pinceaux. Je sens que je vais faire tomber des... Je sens que je vais faire tomber des trucs. Je vous préviens, j'ai pas le temps de vérifier si c'est flou ou pas, hein, parce que clairement... Ça c'est du correcteur orange de chez Make Up Forever pour corriger les cernes, mais vu comment je suis en train de faire le truc, je suis pas bien sûre que ça va corriger quoi que ce soit. Ah, plan de cernes. Oh là là. Mais je pense qu'à mon avis je vais pas aller très loin, hein, parce que déjà rien que le teint là ça va me prendre un temps de fou. Je suis à 3 minutes 20 déjà pour vous donner une indication. Oh là là. Vite fait sur le bouton. Après on va zapper la base, hein, parce que là. On va maquiller les yeux. Hop là. Oh là là. Hop là, on estompe vite fait. Si j'arrive ne serait-ce qu'à le finir, même avec un rendu dégueulasse, je pense que ce serait déjà pas mal. Ouais, j'ai cru que c'était 2 minutes heure, ça m'a fait peur, c'est un texto. 2 minutes 20, 2 minutes 20, qu'est-ce que je dois faire après? Il y a le mascara qui est... Oh putain, bien sûr, la ligne mince, c'est pas très simple d'ouvrir ça. Oh là là. 2 minutes 10. Oh là là, oh là là. Je ferai un zoom après, mais... Je le vois que c'est dégueulasse. Le mascara ça fait de la perdre le temps. 1 minute 50. J'arrive pas à reboucher, je mets à côté. Je crois que je vais faire. Oh putain, j'ai mis mal. Après le bronzer. Le bronzer. Si jamais j'en mets sur ma veste beige, je pète un boulon. Hop, les sourcils. 1 minute 30. C'est pas simple la vie. Oh là là. J'ai fait ça n'importe comment.
Hop, on stoppe. Oh putain, 1 minute. Non! Non, 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 on fixe les sourcils. En plus, à chaque fois, je suis obligée d'ouvrir et de fermer ma palette pour pas la faire tomber. Là, faut que je mette le blush. J'arriverai presque à finir la vidéo, à mon avis. Hein. Oups, je me suis peut-être un peu enflammée. L'highlighter. Oh là là, 38 secondes. Mon dieu, je suis une boule à facettes. 30 secondes. Oh putain, j'ai fait un trou dans mon highlighter. Qu'est-ce qu'il y a après? Je veux poudre avec ma poudre. Une seconde. Ah, le rouge à lèvres, je... Putain, 10 secondes pour mettre le rouge à lèvres. Voilà. C'est terminé. C'était pas évident. Ah mais j'ai... N'empêche, j'ai réussi à finir. Par contre, j'ai fait un peu la erreur, c'est que je viens de laver mes pinceaux. Enfin, je les ai lavés hier. Et que du coup, vous savez, quand vous venez de les laver, les poils sont durs. J'y suis allée peut-être un petit peu fort avec le pinceau pour highlighter. Il y a un trou dedans maintenant. Donc, verdict. Alors, bon alors le teint, c'est pas ouf. Hein. Genre l'highlighter, je pense que les voisins peuvent me voir briller. Mais les yeux ça passerait presque, franchement presque, et les lèvres ça va. Moi j'ai pris un nude en même temps, hein. Je me suis pas trop risquée, mais c'est mon maquillage de tous les jours, alors voilà. Bon, les yeux c'est pas hyper flagrant que j'ai raté, à part vite fait pour le sourcil, mais ça pourrait passer. Bon là il y a eu un petit souci d'estompage, mais alors les joues, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être eu la main un petit peu lourde, mais franchement de loin. Dans le retour caméra, je dis bien dans le retour caméra, si ça se trouve, alors je vais me dire what? De loin, ça passerait presque. Donc voilà, ça sera tout pour ce challenge. Du coup, ça vous fera une vidéo assez rapide. Je vous mets en barre d'infos le lien qui mène vers la vidéo de Yasmine si vous voulez regarder aussi son challenge. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo et ciao!